Bonjour tout le monde, SRX Project, et on se retrouve pour la suite directe de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, on va aller chercher. Déjà, on va faire le plein, puis on va aller chercher des poutrelles en métal pour remettre en état ce petit pont. Bon, me dis pas que à vide, tu vas te planter aussi. Allez. Ici, sans la remorque, ça devrait passer. Hein. Allez. On va remettre vitesse normale. Il y a peut-être moyen en fait de prendre très large. Peut-être sur un terrain plus sec, mais j'ai les doutes. Allez, mon gars. Allez. Voilà. Ouf. On va y arriver. On va faire les choses tout doucement. J'ai recherché pour les éboulis, peut-être aujourd'hui, je sais pas. Ça dépendra du temps que je vais mettre ici à aller chercher la scie. Je vais aller tout à droite. C'est assez bien. C'est bon, ça passe. Oui. Et voilà. Tranquille. C'est sur mon chemin. C'était si sinueux que ça, je m'en rappelais pas. Lui, cabine, ça donne quoi? Ouf. C'est bon que je fais rien. Je vais me prendre des cailloux sur les... Oh là là, ouais non. L'extérieur bien plus simple. Et voilà, au moins ça a été fait la dernière fois, c'est réglé. Du coup, on a un axe routier qui peut permettre quand même de gagner du temps. Voilà, il y en a peut-être. Je sais pas, il y en a peut-être qui vont me dire ouais, tu te mets pas en difficulté. On en reparle. Camion autoroutier, pneu autoroute, plaque de béton sur une remorque, donc le truc qui pèse ultra lourd. Si ça tombe, c'est ce qu'il y a de plus lourd d'ailleurs. Et j'ai galéré comme pas permis, hein, donc. Alors que j'aurais pu prendre l'autre camion. J'aurais pu prendre le. Je me souviens plus de son nom. C'est 2070 le numéro, je crois. Et là, je fais au maximum avec ce que j'ai, vu que j'ai décidé vraiment de me mettre dans une position pas possible. Qu'est-ce qui m'a pris de faire, de décider ça? Pourquoi j'ai décidé? Ah non, en fait. En fait, je vais utiliser au maximum juste les camions que je trouve et c'est tout. Attends, t'es sérieux là? Il vient vraiment de s'embourber. Je viens vraiment de m'embourber là-dedans. Si je repasse par là avec une cargaison, j'ai intérêt à ce que ça vaille. Et il faut absolument des outils pour faire péter le rocher qui est plus loin sur la voie principale. Comme ça, si je la dégage, je serai tranquille. Tout simplement. Pour ça, il me faut le Land Rover. Et il faut que je l'améliore si je peux.
T'es sérieux? Alors, ça, j'aimerais quand même qu'on m'explique. Je roule pas si vite que ça, enfin, je pense. Je réussis à me faire péter les suspensions et le pneu sur une bordure qui est plate. Alors, je veux bien que j'ai un peu bourrin, mais. Merde, quoi! C'est pas une Ferrari non plus. Je veux dire, je suis pas rabaissé au point 2, c'est un camion. C'est quoi, c'est un Kingston? Un truc comme ça. Ouais, bah, c'est un beau morceau, quoi. Et voilà. C'est parti mon kiki. Ouais non, la conduite intérieure, c'est vraiment pas ce que j'aime. Je peux faire largement l'extérieur. Entièrement en interne, par contre, ça c'est... Ok, ça va... Ça va faire immersif, hein, y a pas de souci, mais... La visibilité, elle est nulle, quoi. T'arrives au sommet d'une pente, tu vois pas ce qu'il y a en dessous. C'est tout. T'as juste le capot et le ciel. Bon, l'intérêt est-ce que ça passe partout, hein, par contre là. Bien un peu lourdi. Il n'y a pas de raison que ça cale. Allez, c'est parti. Ça va aller tout seul. Presque. Allez, patine pas trop. Voilà mon grand, c'est bien. Là, là. Ouf. C'est bon, ça passe tout seul. Comme une lettre à la poste. Ou presque. Allez, c'est pas le moment. C'est ici que ça va être dangereux. Ici, on va faire un peu en off-road. Parce que le terrain me semble un petit peu plus solide. Voilà. Bon, ça se fait en... Oh, ça se fait easy les doigts dans le nez. Donc on ira chercher pour dégager la route principale. On ira avec le Defender. Ça devrait le faire. Je verrai si je peux un peu l'améliorer avant pour être sûr. Allez, bitume. On y va. Voilà. Alors, pour le coup, je pense qu'on peut peut-être avoir une petite... Il y a peut-être moyen de faire une miniature sympa. Voilà. Enrichisseur de gouffre. Étape terminée, c'est parfait. Maintenant, on va récupérer la remorque. Oups. Et voilà.
Et j'ai été pourvu en 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a un barrage routier qu'on peut aller. On peut aller check si on veut. Mais j'avoue que là, ce qui m'intéresserait plus. Ouais non. Je vais devoir laisser la remorque ici. Bon, en soi, c'est pas ce qu'il y a de pire. Alors, je la prends. Eric en action qui essaye de faire des manœuvres à la con. Parce que j'aimerais bien que la remorque soit foutue. Bah attendez, peut-être un moyen. Voilà, regardez ça. Non, regardez pas en face. Oh. Alex, tu fais quoi là? Je sais pas moi-même. Bon là, la remorque, normalement, plus d'une fois, la tâche aurait bouclé. Allez! Moi, je me dis, ce serait quand même con de la laisser ici. Attendez. Est-ce que je peux essayer... Alors, je peux la mettre à la station-service. Ou alors, je peux essayer d'aller jusqu'au garage. Pour la revendre, mais... Je pense que ça va être galère. On va voir. On va déjà essayer d'aller jusqu'à la station avec une remorque vide. On va voir si la traction est pas trop dégueulasse. Ouais, non. Ouais non, même avec une remorque vide, je vais aller la poser au... Je vais la poser à la pompe essence. J'ai pas l'intention de recommencer le délire de l'autre fois. Je vais la poser à la pompe essence, et puis ce sera un retour rapide au garage. Excuse-moi. Allez. Bon, bah, vous savez quoi? J'ai la flemme. Voilà. Tout le rage. Est-ce que je peux... Oui, je peux mettre les suspensions sur lui. Ça me coûte que dalle, donc je m'en fous. Et les pneus, je pense pas avoir accès à quoi que ce soit de mieux. Ah si! Mais ceux que j'ai sont déjà très bien, donc... On va aller chercher des outils. On va reprendre une nouvelle carriole. J'en ai une d'acier qui se trouve ici. Qu'est-ce que c'est que ce bin? Remorque. Tout terrain. Tout terrain ou la petite? Alors attendez. On va regarder la mission. Parce que là. Le glissement de terrain, il me faut. Une pièce de rechange. Ouais, donc je peux prendre la petite, je pense. La petite... ça me semble bien. En espérant. Bon, un instant. Voilà, désolé. Quoique, est-ce que... Parce que la remorque tout à l'heure me semble quand même mieux. Non, elle est trop lourde. Elle est plus lourde. On va prendre la petite. Bon, j'espère que vous entendez pas ce qui se passe à côté. Parce que moi j'entends que ça malgré le bruit du jeu.
Il y a encore un qui est... Il y a encore un débile têtu dans la famille. Alors, attendez. On va faire ça. Alors, cette piste-là, c'est une plus fine, mais je sais pas si elle sera meilleure. Faudra voir. Par contre, je préviens déjà, hein, on va galérer. Et le Defender qui danse, ça me sidère. Ce machin, c'est pas un 4x4, c'est un danseur étoile. Ah ouais, par contre, là, ouah, ça passe très... Oula, ouh, ouh. Et à des fois, le jeu, il a des petits ralentissements, des petits freeze. Ah ouais, d'accord, ça passe très fort, en fait, maintenant, hein, que j'ai ces roues-là. On va essayer de passer sur le côté, quand même, non? Blocage différentiel, on va y aller comme ça. Ouais, le problème, c'est ma Renault. La remorque qui va m'emmerder en fait. Voilà, regardez. Voilà, ça patine, ça galère. Pose la remorque. J'aurais dû prendre beaucoup plus large. Si je prends plus large par là, en fait, là je passe sans trop de soucis normalement. Allez, allez, allez mon grand. Bloque le différentiel. Oh oui, la traction, on la sent. J'ai pas encore le dernier moteur aussi, hein, donc ça joue. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Et là, on remet en normal. Et ça devrait passer tout seul comme une lettre à la poste. Est-ce que je prends par là au-dessus? Non, on va prendre la route. On va prendre la gadoue. Ok. Oh, j'hésite. Ça fait un raccourci, hein, mais... Si je cale là-dedans, je cale. Je passerai pas. Vous savez quoi? Merde. Un terrain plus sec, il y a peut-être moyen. D'autant, en fait, j'ai une remorque qui est pas tout terrain. La remorque tout terrain aurait peut-être été mieux. Mais elle est plus lourde. Les plus grosses, plus lourdes, donc je suis pas sûr que ça... Je sais pas si ça aurait vraiment aidé. Par contre ici, Montreuil, je peux pas compter dessus, hein, donc je vais devoir réussir à passer. Quoi qu'il arrive. Allez, yaf. Wow, j'avais oublié à quel point c'était... Ah si, non, il y a quelques arbres, mais j'avais oublié à quel point c'était une gadoue ici. Allez. Comme t'es plus haut sur roue, mon vieux, normalement là tu devrais pouvoir y arriver. Non, mais c'est une blague. Oh. On force. Allez, voilà. Remorque de merde. La remorque qui coincée. Allez, je sais que tu peux le faire, oui, maintenant que t'es haute sur patte, tu peux y arriver. T'es le petit train courageux. Ah oui, oui, on a gagné un max de temps, là. Bon, par contre, il va falloir faire le chemin, ça s'arrête. Pour apporter ça. Tout ça pour un axe routier principal. Et je sais pas ce qu'on fera. Je suis tellement chié pour repartir. Allez, hop, c'est bon. Voilà. Basse vitesse, différentiel. Hop là. On passe sur le dur, donc en fait on peut direct retourner. Et maintenant c'est là que je vais réaliser. Mais en fait les outils c'est pas ici. Merde. Je prendrai autre chose. Ah, parfait. Allez.
Carrément. Ah, désolé, petite interruption impromptue, j'avais pas regardé l'heure et c'était l'heure de la boostifance. Du coup, je reprends la vidéo en ayant le vide plein de cabillaud. Sauce moutarde. Enfin, moutarde plutôt. Pas sauce. Alors, il me fallait quoi? Vous foutez de moi. Il y en a pas, c'est une blague! Mais c'est où du coup que j'ai les... Mais où est-ce que j'ai les outils? Attendez. Où est-ce que je peux voir les outils dans ce cas? Oh non! Je dois me taper l'usine. C'est ça? Je dois me taper le trajet jusqu'à l'usine! Eh ben, vous savez quoi, on est fou. C'est parti pour l'usine. Oh putain, sans avoir le plein d'essence, ça va être marrant. Ouf, pardon. Voilà, sincèrement désolé. Il va y avoir des petits rototos de temps en temps, j'espère qu'il n'y aura pas trop. Alors, passer par ici. Par là. Là, et puis on y est. J'ai jamais été jusque l'usine, justement, donc allez, ça fera une expérience. Punaise, je vais devoir tracter ce truc jusqu'à l'usine. Oh la vache, mais non. Ouh, doucement. Elle va verser. Ah, mec. Essayer de passer, hein. Ça devrait le faire. Wow. Hey, to do, bijou, to do, you. Alors, on va aller par là. Oh, c'est une bouillasse abyssale. Et il va faire nuit, génial. J'hésite à faire tout le temps de jour, mais comme c'est là, si c'est vraiment pas gênant, je me dis, bah, je peux laisser avec le cycle jour-nuit. Si à un moment donné je suis vraiment en mode je vois plus rien et il faut que j'ai de la visibilité, là je passerai en journée et tant pis. Wow, tout. Faut que j'y aille doucement là, Parce que là je vois passer. Oh ouais, je vois passer dans la flotte. Il y a une citerne égarée là-bas, mais va juste te faire voir. Il y a peut-être moyen que je passe à travers champ. Enfin, à travers champ, on se comprend. Tu vois ce que je veux dire? Allez! On m'aroufle un peu. Oh ouais, ça va. On va pouvoir passer en raccourci. Putain, en camion, est-ce qu'il y a moyen de passer là-dedans en camion? Allez, hop, yeah, c'est bon. On met les phares parce qu'on commence à plus voir grand chose. Bon, ce qui m'emmerde, c'est que j'espère que j'aurai assez d'essence. Parce que j'ai un petit réservoir. Mais les distances, ça a l'air d'aller. De musique d'ambiance, c'est cool. Allez, en avant! Allez, bichette! Yay! On est passé. Bon, merde. Allez, on force. Rien à foutre. On va par la droite. Voilà! Ah, du macadam. Trop de couronné, mon amour. Alors, il y a des rochers là. On va y aller mollo.
mais bon. C'est bien, alors ça va, comme ça je vois en plus des routes qui sont plutôt praticables. C'est dommage qu'on puisse pas mettre quelque chose sur la map, sur la minimap, mettre un affichage comme quoi par exemple sur telle zone on mettrait. Hop là. On pourrait mettre. Alors attention, par là c'est. Je vais pas dire terrain dangereux, mais par exemple section inondée ou un truc du genre, plutôt que de regarder la minimap. Et de pouvoir annoter juste boue lourde, enlisement, ce genre de choses, vous voyez. Aïe. Par contre, je vous jure que si là il n'y a pas, je vais gueuler. Ou pas. Ah, déjà il y a une mission là, donc ça. Ah, oh, il y a des barils à aller chercher. Ah, oh, j'en ai marre de ces trucs-là. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette caméra de merde? Attendez, mais du coup, on va aller chercher où les outils? C'est où qu'on va aller chercher les outils? Donc là, c'est des trucs de forage. Ok, mais les outils? Parce qu'il faut des outils pour le... Je comprends plus rien. Me dites pas que c'est à Smith. Ben non, des outils, il y en a ici aussi. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par des outils? Oh non, me dites pas que des outils, en fait, c'est des trucs de réparation. Oui, c'est pas outil, c'est pièce de rechange. C'est bon, on va faire le trajet en sens. Je suis con. C'est des pièces de rechange. Donc oui, j'avais ce qu'il fallait. Oh, j'en ai marre. Oh non, c'est ma faute. Ma faute. Ma faute. Ben, au moins comme ça, on a débloqué, on a vu ce qu'il y avait ici. Donc ici, c'est uniquement pour les outils de forage. De forage, ok. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Reste cool, hein. On va y arriver. Écoute cette musique qui t'incite à être zen. Profite de ces paysages, cette nature luxuriante, ces arbres, ces rochers et ces. Terrain boueux de merde. Ah oui, parce que là... Wow. Putain de merde. Bon, sérieux, je viens de me faire le trajet pour les prunes. Ah. Et Rexprojekt dans toute sa splendeur. Boulet. Et oui, je le reconnais, je suis... Et vous savez quoi? Mieux vaut être un boulet qui le reconnaît qu'un con qui s'ignore. Voilà. Ou pire, un con persuadé d'être intelligent. Il y en a beaucoup sur Internet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, toute l'attraction. Là, il va juste falloir que je coupe. Oh bordel! Je vais aller par où là? Donc à gauche. Et à gauche, ce sera le début du sentier. Bien relou. Ça m'apprendra la prochaine fois, en fait, avant de repartir vers un autre endroit, je regarde exactement ce qui est noté. Donc c'est pas des outils, ce sont des pièces de rechange. Comme pour les réparations des bouts des véhicules. J'en retiens ceci. Bon, je peux passer par là, donc là, hop.
pas, je fais le trajet raccourci. Bon, je suis passé d'ailleurs. Oh, il y en a que dalle par là. Ça, c'est. Si je peux avoir des phares supplémentaires. Il me semble qu'il y en a qui peuvent avoir de l'anti-brouilleur. Est-ce que c'est du vrai anti-brouilleur? Est-ce qu'il y a du vrai brouilleur par celui-là? Ouais, ça va, c'est de la brume. Hein. Pour moi, c'est pas du vrai brouillard. Ça. Le brouillard, j'aurais même pas à y voir à 5 mètres. Là, on y voit facilement à 5-6. Allez. Et on grimpe, grimpe, grimpe la colline. Tagrette, tagrette, tagrette. Oui, on est déjà de retour. Ça va vite, ça. Les maps, ça j'avais déjà dit, je crois, mais la map en fait, de visu comme ça, la map on se dit, ouais, c'est grand. Puis en fait, quand on est dessus, on se rend compte, non, c'est pas grand. Mais putain, qu'est-ce que c'est long. Parce que les terrains sont dégueulasses pour les trois quarts. Ça aussi, c'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il fait, alors c'est sur des camions autoroutiers. Mais oui, mais les gars, vos autoroutes, il n'y a pas d'autoroute. Vos maps, elles sont dans la gadoue et la neige. Du coup, ça sert à... Oh là, oh là, oh. Oh, j'ai eu du freeze. Tout va bien, c'est pas votre téléviseur. C'est juste le jeu qui a décidé, je sais pas pourquoi. Donc c'est ça, ce sont des pièces de rechange. Ok. Et on est reparti, allez, c'est reparti, en voiture Simone. Tin, 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 tin. De nuit? Oui. Pas les couilles, frère. On va débloquer cette route. Il me faut cette axe. Ah, oh. Et donc du coup, je sais que si j'ai un camion qui peut prendre assez de ressources, bah en fait, je peux venir les chercher ici. Alors du coup, par où on va passer? On va passer par ici. Puis on doit aller par là. Et oui, par là. Regarde, c'est parce que je regarde pour être sûr. C'est. Allez. J'aurais avoir assez d'essence. Et au pire, si je veux faire le plein, je peux le faire une fois que j'arrive presque au bout. On a trois quarts de réservoir quasi. Donc ça va. Que j'oublie que je suis plus lourd. Et que ma remorque, c'est pas un tout-terrain. C'est une petite remorque de merde avec des petits trous. Et ça a l'air de passer. On va faire une petite miniature. Enfin, on va essayer d'avoir quelques screenshots pour avoir des miniatures. Ouais, comme ça c'est classe. C'est bon, allez, on repasse pleine puissance. Je suis pas dans une gadou-gadou, donc ça va. J'ai vraiment bien fait de rehausser les suspensions sur cette voiture. Ça aide énormément. Parce que les suspensions standard, oh la galère. Enfin, de base, elles passaient quasiment déjà partout. Mais là, maintenant, par contre, à mon avis, c'est... C'est bon, c'est... Ah, ah, on peut pas verser. Là, normalement, je pense que c'est bon, elle peut vraiment passer par. Alors ici, il faut pas que ça coince. Voilà. On est bon. On est toujours bon. Attention que ça ne verse pas. Parce que si ça verse... Ah merde. Voilà. Ici c'est dangereux. Ici, ici, ici.
On va y aller doucement. On va y aller en crabe. C'est une technique, hein. La technique du crabe. Aussi surnommée tactique du Bernard l'ermite joyeux. Technique ancestrale. Des Comanches et des Sioux. Quand ils étaient avec leur fidèle Land Rover dans la nature. Non mais tu te fous de ma gueule là. Là c'est la... C'est la remorque qui a foiré, ok. Alors attendez, vous allez voir, il y a un truc là par contre à faire. Parce que le treuil, ça sert à rien de le mettre à l'arrière. Yep. En revanche... Non, ça se débloquera pas, c'est une blague. Alors, okay. Dans ce cas, on va devoir essayer de faire à l'ancienne. Qu'est-ce qui coince en fait? Voilà. Et là, on va essayer d'y aller doucement. Fasse attention parce que c'est une petite remorque. Ok. Et bon. On va essayer de s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. C'est ça, sympa du coup. C'est une vidéo. Ça fait un peu mieux. Ah, ok. Là, par contre, je me suis mis dans la mélasse. Je suis un petit peu... J'ai un peu dedans. Là. Voilà. Et voilà. Allez, sur du dur, sur du dur, sur du dur. Oui, c'est bien, c'est bien. Là, on repasse en normal. Ah, s'il faut passer une demi-heure à faire ça, moi je le fais. Hein. Y a pas de souci. Je suis pas encore assez blasé du jeu pour éviter ce genre de conneries. Machine arrière toute.
Et voilà. Oh merde, y a un caillou, t'es sérieux? M'emmerde avec leurs cailloux, ceux-là. Allez, allez, je sais que tu peux le faire maintenant. Voilà, tout doux, tout doux. On est bien, on est bien, on est bien. Faut juste sortir de la mélasse. On va y arriver, vous inquiétez pas. En avant. Allez. Allez, ma belle. Et là, c'est bon. Toute l'attraction. On y est arrivé. Bon, mode photo. On vient de sortir du bourbier. Eh. On vient de sortir du bourbier. Moi je dis, on a géré. Je dis, on a géré. Hein. Enfin, je dis on alors que je joue tout seul. Mais on se comprend, on se comprend. Vous me comprenez, nous nous comprenons. Nous nous comprenons. Vous avez compris. Française, français. Bref, allez, on a arrêté le van. C'était une galère et je suis pas encore sorti de l'auberge. Donc évitons de retomber dans une autre galère. Là, on reste en 4 roues motrices. La caméra parfois elle est un peu foireuse. Et les remorques sur les petits scouts en fait. Alors, c'est peut-être juste ce véhicule-ci hein, qui danse. Ou c'est moi qui accélère trop, je sais pas. Parce que je suis à fond de balle sur la gâchette. Mais les véhicules scouts avec une remorque, je suis pas fan. Un gros porteur, ça va, mais ce machin-ci. Merci, mais non merci, quoi. Wow, wow, doucement, doucement, doucement. Doucement, je suis parti de mon côté. Allez. Allez. Ouais, non, je vais garder les phares, je suis encore un petit peu trop seul. On n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Attention, il y a encore une partie de trajet à faire, là. On peut pas croire. Oh, putain. 4 roues motrices et ce machin est pas foutu d'aller droit, quoi. Je comprends pas. Bon, du coup, qu'est-ce que je ferais bien off-cam, moi, après? Parce que malheureusement je peux pas enregistrer tout le temps et le jeu là il me tient. Voilà. Peut-être à amener pour l'autre éboulement, je sais pas. Déjà je verrai à combien est le timer une fois qu'on a dégagé les éboulis. Comme ça je me ferai une petite idée. Allez on continue. C'est bon, ça avance. On va y arriver. Vivement que j'ai les roues tout terrain pour les camions par contre, parce que... Celle-ci, normalement, c'est les meilleures roues. Elles sont bonnes partout, excellentes en boue. Je sais pas en quoi, mais... Et très bonne en tout terrain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, y en a qui vont me dire, ah, mais passe en deux vitesses basses. Ouais, mais si je peux éviter, là, je vais prendre plus les. Mais c'est pas vrai! C'est de la merde ce truc!
Est-ce que tu es sûr que tu vas garder le Defender tout du long, Eris? Mais moi, je me pose la question. Parce que s'il continue de danser comme ça, moi, à un moment donné, j'en aurai le bol. C'est relou, quoi. J'aime bien parce que le petit arbrisseau, là, il tient. Allez, on y est presque. Allez. Il reste un passage bien chiant après. Puis normalement, ça va être du... c'est tout cuit. La sortie de la ville, c'est... il y a une gadjou pas possible. Je vais faire le plein en passant, quand même. Je suis presque à la moitié d'un réservoir, donc... pas de prise de risque. Bon, je pourrais désactiver le AWD, hein. Ça me fait consommer moins, mais... ouais, quoique sur le bitume, c'est vrai que c'est mieux. Pourquoi ça doit être une propulsion? Pourquoi c'est pas une traction, s'il te plaît? Heureusement qu'il n'y a pas d'autres véhicules dans le jeu, hein, parce que sinon, je crois qu'il y a des fois où je me serais retrouvé bloqué. Ou je me serais pris un camion en pleine gueule. Ah, allez, le passage. The passage. Hop. Putain, je vois m'aider maintenant. Est-ce qu'au plus on passe, au plus ça devient dégueulasse parce qu'on creuse les ornières? Ou alors c'est juste parce que j'ai un truc bien relou à l'arrière. Allez. Oh, je crame les pneus. Ah ouais, mais j'étais pas en 4 motrices. Alors, on va juste activer la quête. La poutre, je l'ai déjà amenée, donc ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, sinon, de style... les marchandises pour Steel Driver, faudra que j'aille chercher la remorque. Mais ça, je vais pas le faire maintenant, il me faudra un véhicule tout terrain. Il me faudra un camion qui a du tout terrain. En plus, c'est une remorque comment? Ah, c'est une grosse, hein. C'est pas... enfin, c'est pas la petite remorque. Pardon, à deux balles. Et j'aimerais surtout c'est débloquer ceci. Il me faudrait un gros cube pour débloquer la Chevrolet Kodiaq. C70. Parce que ça, je sais que je vais en faire quelque chose. Mais il y a aussi l'autre. Il y a l'autre zone. L'apparition de la berge, c'était quoi déjà? L'apparition de la berge. Planche de bois et pièces de rechange. Ça peut se faire aussi, mais. Ça va être coton. Il me faut vraiment des véhicules tout terrain. En fait. Là, je me tire une balle dans le pied parce que je veux absolument garder que les véhicules que j'ai là. Il vaudrait peut-être mieux que j'explore le reste. Et peut-être qu'il y a un camion bien bourrin qui se trouve à la fin. J'en suis où en fait là? Donc je suis niveau 4, oui. J'ai trouvé 6 véhicules sur 8. Donc c'est-à-dire qu'il en reste 2. Qui sont cachés quelque part et qu'il faudrait que j'essaye de les... je peux peut-être réussir à les débloquer. Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est... faut que je réfléchisse à ça. Quoi? J'ai pris si cher, c'était une branche morte sur le sol. Non mais vous foutez de ma gueule là. Attention, on va prendre des dégâts en prenant un call. Ah non. On va faire 4 motrices là par contre parce que ici c'est parti pour l'enfer. Allez, normalement ça va passer. Oh mais les là, pourquoi j'ai des ralentissements comme ça parfois? J'ai optimisé avec le cul, ça fait 3 ans qu'il est sorti. Non, 4 ans, c'est la 4e année que je veux sortir. Non, blague à part, j'espère que c'est vraiment pas une question d'optimisation aux fraises. Vous êtes sérieux? Oh okay. Allez,
sortir de là. J'ai l'impression de faire une redite parce que j'ai eu la blague. J'ai déjà eu la blague à cet endroit-là. Avec une remorque idéale. Sauf que j'ai mis plus de temps à m'en sortir. Allez. C'est bon. On tire, on tire, on tire. Allez, allez, allez. Allez. On est reparti. Youhou. On y est. Eh ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là, hein? Je suis inarrêtable. Wesh. Et voilà. Votre réputation devient sans égal. Vous savez quoi? On va mettre la remorque ici. Et je vais regarder ce qu'il y a. Donc la remorque. Hop. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a une remorque Igari quelque part par là. Mais c'est une remorque de quoi en fait? C'est ça le problème. Je pourrais peut-être aller voir. Hein. Ah non, elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Il y a un magasin de remorque là. Les réparations de la berge, je peux pas les faire. J'ai pas ce qu'il faut. Il faut plus de véhicules. Il faut plus de véhicules. Donc je pense que là, en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, on va partir vers le barrage. On va changer de zone. Voilà, et en fait, il faut que je fasse du level up. Donc de toute façon, je suis obligé d'aller dans une zone. C'est cool, là. Maintenant, on a quand même on a un boulevard. Ça, c'est bien. On a une ligne droite. Avant, on devait passer par des petits chemins de terre ou faire tout un détour. Maintenant, ici, on peut faire un trajet ligne droite, si besoin. Si c'est une bonne chose. Mais ce que j'aimerais bien aller chercher, là... on est d'accord que c'est par là. Là, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment level up un petit peu et, si possible, essayer de trouver un camion encore plus efficace. Et je vais où, là? Ah non, c'est bien par là. Désolé, je regarde souvent la map, mais je connais pas encore la carte suffisamment. Voilà. Voilà, et comme ça, vous allez voir ce que j'ai déjà exploré de ce côté-ci. Barrage de Smithville. Ce camion-là, j'aimerais tellement l'avoir. Il a l'air super bon. Hein. White Western Star. Bon, la cinématique, on peut s'en passer. Donc, voilà, j'ai déjà dépioté tout ça. La moitié de la map, quoi. Il y a une remorque... Il y a des améliorations par là. Amélioration, je vais chercher off-cam, bien sûr. Je vous emmerde pas avec ça. Ouais. En fait, je dois passer... Non, je peux faire ça. Je peux passer par le... Par le barrage. Je vais passer par le barrage, en fait. Donc ça veut dire qu'ici, on prend... On peut prendre par au-dessus. Je prends à droite. Je vais prendre par là. Ah non, il y a des rochers effondrés, merde, c'est vrai. Donc, bah, on va passer par ici. Là. Là, et puis, ce sera tout ça. Allez. J'ai assez de litrage, normalement. On
passe en 4. Et c'est parti, mon kiki. Youhou ! En avant pour l'aventure. Je vais déjà me mettre deux. Ok. On va y aller doucement. Tant pis si j'y vais doucement, mais... Ah oui, ah non, c'est... Effectivement, c'est... C'est plus facile. Plus facile aussi parce que c'est la terre un peu... Ah non, non. C'est... Effectivement. Je m'enfonçais beaucoup, moi. Alors, je regarde où on est. Il y a un foin entièrement sous l'eau là, ou alors je passe à travers champ. On va voir ce que ça donne pour la profondeur de l'eau là-haut. Parce que j'ai pas de snorkel. Donc je peux noyer le moteur. Allez, ça passe tout seul. Nickel. Et là, on remet la traction au fur. Voilà. Voilà, ça va tout seul. Oups, pardon là. Une vraie gadoue, je vais prendre un droit de gauche, mais je peux passer comme ça parce que j'ai un petit véhicule. Voilà, voilà, tranquille. Ah, par contre, ici avec un poids lourd, ça doit être marrant. Automatique, c'est vraiment de la merde, c'est mal pif. Mieux vaut perdre du temps avec le treuil manuel. Wow, quel bouillasse! Comment je vais faire pour passer là-dedans avec un poids lourd? Parce que je devrais, c'est forcé. Faudra vraiment que j'y aille qu'un cas, comme maintenant. Pas celui-là que je veux. Ah ouais, d'accord. Ah non, je suis obligé de faire comme ça. Voilà. En fait, j'ai l'impression que si je tourne trop les roues, c'est là que ça commence à... Ça commence à... Comment je dis? J'ai une expression pour ça. Ça commence à... Je sais plus. Merde. À brouter. Voilà, ça commence à brouter. Si je l'avais fait, hein, on est d'accord. Je suis presque. Et si je peux passer ce foutu truc, moi je suis preneur. Ah! Ouais, ici. Allez, c'est maintenant qu'on montre qu'on a un truc qui est tout terrain. C'est une pub pour les Land Rover. Land Rover Defender. C'est partout. Wow, 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 wow. On y va doucement. Bien. Ma, c'est magnifique. Donc là, je dois aller tout droit. Voilà. On va passer sur le côté. On passe par ici. Ça passe tout seul. Voilà. Voilà, c'est bon. Pas de quoi baliser. Je commencerai à baliser quand il faudra que j'y aille avec un 30 tonnes.
Comme c'est là, je pense pas avoir. Oh, ouf, j'y suis allé fort. Et c'est passé. Allez. Bingo. Oui, tout sur la propulsion. Maintenant, on peut y aller. On est bon. Attention. Attention. Traversée d'Original. Prenez garde au Grand Caribou. Oh, il y a un truc ici. On va aller chercher. Du carburant, de cargaison dans la rivière. Carrément, ah ouais, d'accord. Bon, désolé, vous n'avez plus de boîte aux lettres. Je les remettrai droite quand je repasserai tout à l'heure. Ou pas. Oh, le barrage. Oh, il est bon. La civilisation. Dans toute sa splendeur. Bon, la route, par contre, là, elle m'a l'air un peu foireuse. On va traverser comme ça. Ouais, oh, c'est bon. Ouais, le bord de la route là il est pas. À droite il est bien droit, à gauche il est. On voit que la texture est un peu foireuse. Ouais, je sais, c'est qu'un détail, mais vous savez, parfois les petits détails, c'est ce qu'on remarque le plus facilement. Donc j'ai entrepôt, nouveau nid, et devant il y a un pont à faire. Donc là déjà. Voilà, c'est un magasin de remorques. Comme ça on va. Ah non, l'entrepôt il est juste il est un peu plus loin. Il y a un pont à faire, mais est-ce que je peux m'arroufler et passer de l'autre côté? Oh, attention au tronc. Détour. Oh, oh mais ton détour de merde. Wow. Ok. On va tenter le coup ou pas. Je check le timer. Pardon. Ah ouais non. Ouais, non, c'est pas possible. Donc là, on va prendre la quête. On va prendre la quête et je pense que je vais faire l'exploration solo. Enfin, de mon côté, off cam, quoi. Off record, off vidéo, qu'est-ce que je veux dire. Pour essayer d'aller chercher le reste. Et la map suivante, par contre, on la fera entièrement ensemble, ou presque entièrement, ça dépendra un peu. Mais grosso modo, on fera un maximum en vidéo. Là, on est bon. On coupe le moteur. Donc, checkons quand même juste un petit coup. Ouais, donc il faut que je prenne par là, ça me fait aller là. Et le plus dur, ce sera de passer ici. Donc j'irai jusqu'ici, je fais ça hors vidéo, hein, mais j'irai jusqu'ici. Et si ça passe pas, ben, c'est-à-dire qu'il me faudra un schnorkel, il faudra que j'ai un meilleur moteur, etc. Et voilà, c'est tout. Donc je m'occuperai d'autres choses. Après tout, il y a quelques quêtes hein, dans le coin. Il y a ouvrier affamé, puits sans fond, dépôt de troncs. Et de remorques, de ci, de là. Ouais, je crois qu'il y a assez à faire. Il y a quoi donc? Il y a le long chemin. Il me faudrait deux pièces de rechange là-bas par exemple. Donc ça, je peux le faire off-cam. Ça, je le fais off-cam. Je vais chercher comme j'ai fait avant. Hein. Je prends deux pièces de rechange, je vais chercher. Ah, baril de pétrole, ils sont là-dedans. D'accord. Le pont de Smithville, ça, il va me falloir deux planches de bois. Ben, en fait, ça, je peux le faire aussi. Je peux le faire en camion. La remorque égarée. Ça va tout seul, hein. Mais en camion, si je fais ça en camion... Non, il faut d'abord les rochers effondrés. Donc il faut d'abord deux pièces de rechange. Il faut d'abord que j'aille... Centre de service. Qu'est-ce que je suis con, en fait, c'est à côté. Donc en fait, je... Ouais, non, ça va, je vais pouvoir le faire, ça. Je vais juste débloquer ça, alors.
J'ai pièces de rechange là, donc en fait je peux débloquer les deux éboulis. Là, il faut des barils de pétrole, ok, avec la grue. Ouais, il me faut les pièces de rechange. Ah bah c'est bon, ça je le ferai off-cam alors par contre, parce que c'est... Voilà, j'ai juste à aller au garage, je prends une remorque, je prends des outils là. Et basta en fait, c'est fait en 2 secondes. Je vais prendre le... J'ai débloqué le hard rock d'abord, je vais... Voilà, ça je vais faire ces deux-là off-cam. Comme ça, au moins, ce sera déjà un peu mieux. J'aurai plus de visibilité. J'irai explorer. Et promis, alors, en revanche, la prochaine map, donc Island Lake et Drummond Island, j'explore avec vous. J'explore en vidéo. Voilà. On a aussi l'Alaska, Taïmyr, péninsule de Kola, le Yukon. Il y a des tas de coins, mais là, j'ai envie d'abord de vraiment me mettre sur le Michigan, je me bourre là-dessus et puis je verrai après. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, voilà. Cette vidéo était un peu plus longue et un peu hasardeuse pour moi de mon côté, je suis désolé. J'ai galéré, on s'en est sorti malgré tout, voilà, c'est tout ce qui compte. Allez, on se quitte là-dessus, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.